الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الإمام البيهقي رحمه الله: الشعبة 69 من شعب الإيمان الستر على أصحاب القروف. Alors la 69e branche de la foi, le fait de ne pas dévoiler les ceux qui ont fait des péchés ou ceux qui ont certaines erreurs. Voilà, il ne faut pas les dévoiler, mais plutôt il faut les conseiller et rester discrètement et ne parler pas de leurs défauts devant les gens. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أن تنتشر، ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، لهم عذاب في الدنيا، يستحقون عقابا في الدنيا ويوم القيامة. الله سبحانه وتعالى دي dans le Coran الآية que j'ai cité: ceux qui aiment divulguer les défauts des autres ou les péchés des autres de parmi les croyants mérite un châtiment dans le bas monde et dans l'au-delà. لو عرفت أن فلان زنا أو فلان زانية ليس لك أن تفضح. Même si tu sais que on dit celui-là il a fait la fornication ou telle femme a fait, tu n'as pas le droit de divulguer. Tu as à conseiller mais tu n'as pas à divulguer ce péché. لك أن تنصح ولكن ليس لك أن تفضح. أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة. ils méritent une punition dans le bas monde et ils méritent un châtiment dans l'au-delà. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. Alors de Ibn Omar, que Allah l'agré, que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est le frère de musulman, il ne pratique pas de l'injustice envers lui, il ne le délaisse pas lorsqu'il a besoin de son soutien, il ne le laisse pas pour les autres, il le donne un soutien. Et celui qui cherche ou qui est dans le besoin de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un aide et un soutien lorsqu'il est dans le besoin. Et celui qui soulage un musulman d'une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala le soulage d'une difficulté le jour du jugement. Et celui qui ne dévoile pas un musulman, il le couvre, il ne le dévoile pas, Allah ta'ala ne le dévoile pas dans le jour dernier. يعني عندك تفريج الكربة يقابله تفريج كربة، وعندك الستر في الدنيا يقابله أن تستر يوم القيامة. Alors si tu soulages ton frère d'une difficulté et d'un problème, Allah سبحانه وتعالى te soulage d'une difficulté parmi les difficultés du jour du jugement. Et celui qui ne dévoile pas son frère, il ne le découvre pas devant les gens et il sera encore couvert et il ne sera pas dévoilé le jour du jugement. فإذن نعمة عظيمة وخير كبير، un grand bienfait et un grand un bien envers toi si tu pratiques cela dans le bas monde. Le hadith rapporté par Muslim et le Bukhari. Et de عقبة فزد عامر que الله تعالى l'agré أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ستر عورة مؤمن فكأنما أحيا مؤودة في قبرها من قبرها. Celui qui ne dévoile pas le défaut d'un croyant, c'est comme celui qui a sauvé la vie d'une personne enterrée vivante, d'une fille enterrée vivante. Il y avait à l'époque des gens qui ont enterré les filles vivantes parmi les Arabes suite à une histoire qui a eu lieu. Alors, et ça c'est quelque chose de grave comme acte et très moche comme acte. Alors lorsque toi tu ne découvres pas ton frère, tu ne parles pas de ses défauts, tu le couvres, Allah subhanahu wa ta'ala te donne une récompense qui est pareille à celui qui sauve la vie d'une fille enterrée vivante. Ma'nahu fi thawab kabir. Ma'nahu fi thawab kabir. Allah tafdah al-nas, an tastura uyubahum, an tastura zallatihim.
حتى لا أطيل بقصة أنه امرأة ولدت من زنا. C'était une femme, peut-être elle est اعتدي عليها. C'est-à-dire une femme qu'on l'a violée. Une femme qu'on l'a violée. لكن مصيبة بعض الأحيان مين يقول لك أنه اعتدي ولا ما اعتدي. أكرهت على نفسها. فجاءت إلى القاضي أو إلى رجل من الصالحين، قالت أكرهت على نفسي وأنا حامل. أخبرت أنك أنت زوجي، تزوجت. فما أعترض وصار إيش يهتم بها وينفق عليها. Alors, tu vois, une femme est venue vers un homme saint, elle a dit, j'étais violée, c'est-à-dire quelqu'un m'a agressée, et je suis enceinte. Et pour ne pas être déshonorée devant les gens, j'ai dit que tu es mon mari. Il n'a pas crié, il n'a pas fait. Alors, il s'est tu, puis après, il lui a donné de l'argent, puis après, il prenait soin d'elle. Lorsqu'elle a mis au monde un enfant, des gens ils sont venus pour lui féliciter. Lui, il a montré qu'il est tout content, kada. Tu vois, et il a donné à la femme encore de l'argent pendant toute la période. Jusqu'à que, voilà, à un certain moment, il a fait comme si il l'a quitté et que. Et il n'a pas dévoilé cette femme. Et il a dépensé de l'argent. Et il n'a pas dit aux gens, non, c'est pas vrai, je ne me suis pas marié avec elle. Il a fait comme s'il était marié, sans mentir, mais il a bien couvert cette femme. يعني, شيء كبير أن يكون الإنسان صدر واسع عنده شفقة وهذه المرأة تدي عليها فسترها و هذا المولود يعني بعض الناس ينسبونه له ما أنكر حتى لا تقع فضيحة أخرى للمرأة. وفي حديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أبو هريرة rapporté que سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام a dit qu'il n'y a pas une personne qui couvre son frère sans qu'il soit couvert le jour du jugement. C'est-à-dire, dans le moment tu es couvert, tu n'as pas dévoilé, alors le jour du jugement, tu seras couvert, tu ne seras pas dévoilé. Allahu anna insanan zana. Al-afdal lahu an ya'tarif am yatub wa yastur. Al-afdal an yatub wa yastur. Si la personne a fait la fornication, c'est quoi le mieux? D'aller dire au juge, j'ai fait, voilà, demande aux gens qu'ils me lapident, ou le fait de ne rien dire et de se repentir. Le mieux, c'est le fait de se repentir sans rien dire. Al-afdal an yatub ila Allah wa yastaghfirhu wa yastur ala nafsi. Kadhalika al-mar'a. Yani la même chose pour la femme. Si la femme a désobéi, alors c'est mieux qu'elle se repente, qu'elle ne dit rien aux gens, qu'elle regrette, et puis après elle ne dit rien aux gens. La taqul linnas fa'altu kadha wa fa'altu kadha wa fa'altu kadha. Al-afdal an tastur wa tatou. C'est mieux de se repentir et de ne pas se dévoiler. Amma hadha alladhi yatatabba 'awrat an-nas, hadha min adh-dhunub al-kabira. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بعض الناس شغلته أن يتتبع عورات الناس. Il y a des gens, leur travail c'est d'espionner les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été où? Et il veut savoir leurs péchés, leurs défauts. Mais qu'est-ce que tu as à voir toi, Rouhia? C'est quoi ça? Cherche toi-même tes défauts afin de se corriger. Yakfi. اشتغل بعيوبك عن عيوب الناس، اشتغل بعيوبك فأصلحها بدل أن تتتبع عورات الناس. ومن تتبع عورات الناس الله تعالى يفضحه حتى في جوف بيته. C'est-à-dire celui qui cherche à connaître les défauts des gens et à dévoiler les gens, il sera dévoilé lui-même. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه وهو في بيته. Comme ça a hadith, ça a été rapporté que celui qui court à espionner, à chercher, à savoir les défauts des gens, il veut répondre qu'est-ce qu'ils ont fait. Allah Ta'ala le dévoile
ألان ممسي لألانتيريور دو سا ميزون. فإذا طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. بون نوفيل أ سيلوي كي إيل إساي دو نو ريان فوا أوتور دو لوي مي روغارد كيس كيلا لوي كوم ديفو إي إيل شيرش أ ساميليوري أ شانجي. لذلك حتى لو مجرد التتبع لا يجوز، مجرد تتبع عورات الناس اللي هو التجسس، لو فات دو شيرشي سولمون لي ديفو دي جون، سا تو نا با لو دروا، ميم سي تو نا با ايتي او جون بور دير، ميم سي تو دي جيمري سافوار، سيلوي لا كيس كيل في سيلوي لا اي تو يسبيون لي جون، تو نا با لو دروا، لا يجوز. مجرد ان تبحث عن عيوب الناس لا يجوز لك، لا يجوز، حرام ان تبحث عن عيوب الناس. وعن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في الخدر ينادي بأعلى صوته يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم ولا تتبع عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه يفضحه في جوف بيته. Alors le Bara ibn Azib a dit que le prophète a fait un discours et il a levé sa voix jusqu'il a entendu des femmes qui sont dans leur maison. Il disait à voix haute, « Ô vous qui ont cru par leur langue et que la foi n'a pas touché leur cœur, ne médisez pas les musulmans et ne cherchez pas à espionner leurs défauts. Parce que si la personne cherche le défaut de son frère musulman, Allah subhanahu wa ta'ala fait que ses défauts à lui seront dévoilés. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il sera dévoilé même à l'intérieur de sa maison. Alors, شو بدك بهالامر هذا؟ ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. Alors, éloigne-toi à chercher les défauts des gens. Tu dis, moi j'ai assez de défauts, alors je cherche à m'améliorer et je travaille pour le dollar. بدل ما اشتغل بالناس اشتغل بحالي. Au lieu de perdre le temps avec les gens, je m'en occupe de moi-même et je travaille moi-même pour l'akhirah, pour l'au-delà. وعن أبي العباس الرهبي أنشد لا تهتكن من مساوئ الناس ما الله سترى فيهتك الله سترا عن مساويك واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحد منهم ولا تعب أحدا منهم بما فيك. Alors, quelqu'un qui a fait quelques vers de poésie, il a dit « Ne dévoile pas les défauts des gens si Allah Ta'ala les a couverts. Et si tu le fais, Allah Subhanahu Ta'ala dévoile tes propres défauts. Cite leurs actes de bien, leurs qualités, leurs mauvais, leurs choses. Si on parle d'eux, alors cite leurs bons actes. Cite-les dans le bien. » Et ne critique pas les gens dans des défauts que toi tu l'as. Tu ne cites pas les défauts que toi tu en as. Même, yani, tu vois, il y a certains défauts dans les gens et tu les trouves chez toi. Alors il ne faut pas parler des gens si toi tu as les mêmes défauts. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallam taslima kathira.